Bonjour, bonjour à tous, les amis, bonjour et bienvenue. Comme d'habitude, encore une fois, LPAG.ZL3E. Évidemment. Vous en avez dit. Et on se retrouve sur la. Toujours à la préhistoire. Voilà. Perdu dans le temps, toujours perdu à la préhistoire. Et à la recherche de la dernière pierre bleue, pour qu'on puisse faire le dernier voyage. Peut-être. Ouais. Peut-être rentrer chez nous. Et où est-ce qu'on va atterrir? Ça, surprise pour la suite. Le mystère. Donc là, en fait, on avait libérer le chemin qui est là et qui nous permet d'avancer là-bas vers le vaisseau. Allons-y. Il est quand même loin. Oui. Je pense qu'il y a quand même pour quelques heures de marche. Des monstres sont assis sur la colline, ce sont peut-être eux dont la femme dans la grotte par. Oui, dont parlait la femme dans la grotte. On doit se débarrasser d'eux, mais il est trop dangereux de s'approcher de la fille pour le moment. Et encore une fille à sauver? Ah non. C'est un petit camp préhistorique et ça, c'est les animaux qu'il a dit. Ah ouais, mais c'est des chauves-souris maintenant. Ok, génial, c'est des mutants. Ouais, ils vont nous sauter dessus. C'est pas très encourageant. Ça va, ils sautent dessus que si on passe genre vraiment tout près, parce que là on est ouais, pas ça loin, va. normalement. Mais bon. Enfin, ils sont gentils. Alors il y a Donc on reste pas trop. un camp préhistorique avec box internet, bien sûr. Évidemment. Et une barque en feu. Tu feras gaffe en passant. Tu passes à côté des tentes d'écoute et puis t'entends des streams, des trucs comme ça. C'est ça. Oh, En fait, il j'ai a. du poisson, je vais vous montrer un peu le. Je vais faire un petit En peu fait, c'est la. un war tour de mon stand de pêche. C'est le Tipeee Gamer, t'sais. Dedans, t'as toutes les C'est exactement ça. installations. Alors là, il y avait quoi? Le manche d'une hache préhistorique, nous devons y mettre la pierre qu'il faut. Super. Ok, ben bah C'est. on a pas de pierre. C'est pas une Dommage. houe. Et là, il faut une roue. Ouais, super. Ok, bah il manque tout. C'est dommage, il y avait une roue en Égypte, on aurait dû la prendre. Ouais, c'est ça, à peu près. Elle aurait servi. Et là, oh non, pas ça. Ça, c'est l'horreur. Utiliser la balle et les réflecteurs pour allumer toutes les ampoules en verre. Ça a l'air très cher. C'est une horreur, ouais. En gros, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est faire tout le circuit et après les renvoyer, ouais, comme ça, au fur et à mesure, quoi. Après, ça va les éteindre de nouveau. Ouais, ça va être relou. Alors peut-être que là Après, c'est des suffit. boucles fermées, donc c'est pas non plus impossible, quoi. À moins qu'on ait. Ouais. Alors tu restes. Ouais, Non. ça va être relou. Donc Si, là. t'étais pas trop mal. Ouais. Celle du dessus, faut la tourner. Ah non. Enfin, celle du dessus au milieu. Oh, ouais, ça va être relou. Et c'est en plus, j'ai pas le genre de truc tactique, c'est genre le truc réflexe, tu vois. Restez. Celle-là qu'il faut tourner. Bah Ah. le dernier, la dernière qui qu'elle touche quand elle est sur sa boucle d'avant, en haut, tu peux la faire tourner sur la gauche. Laquelle? Genre là. Tu vois, là elle part à droite sur un endroit où il n'y a rien. Et Ouais. quand elle est en haut là, tu peux tourner de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Et là, ça va aller là. Ouais. Faut que je fasse celle-là. Oh, c'est relou, ouais. Ah ouais, faut que je change celle-là quand elle arrive là en fait. Du coup, t'es obligé d'attendre les boucles qui Non, rallument pas comme ça. tout. C'est l'horreur, putain. T'attends pas, toi. Encore les Bon, deux je là-haut. salue le fait que ce soit un mini-jeu qu'on n'a jamais vu, mais. Ouais, c'est chiant. C'est pas. Après, Oh! Voilà. ça va avec leur variété. Ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de variété Ouais, c'est sur clair. le jeu. Ça salue, hein. Bravo. Là, bravo. Mais bon. Là. Attendez là. Parce que là, j'ai fait. En fait, j'ai tourné cela, tac tac tac, ça a fait toute la ligne là. Ouais. Faudrait faire pareil là. Et les deux petits luos là. Non, on sait pas encore comment on va y accéder. Quoique. Ça va être chiant. J'essaie de faire, entre guillemets, une réflexion inverse. Comment on t'y arrive? Ah ouais, bon, on t'y est. je sais pas ce Bon, que je fais de ça. si, viens. Faut l'envoyer à. Là, tu l'as envoyé à droite, faut aussi l'envoyer à gauche quand t'es en bas. Ouais, ici. Pour allumer, ouais. Non, merde. Tant qu'à faire. En fait, t'as juste à attendre un coup, puis voilà. Ouais. Faut juste être un peu patient. non, là, ça fait là. Là, ça va faire comme ça en boucle. Ouais, au moins comme ça c'est un circuit fermé. Ouais. J'essaie de voir.
Je peux pas. Non, c'est chiant. Je peux pas, ouais. Ça, j'avoue, il arrive pas à processer ça. Ouais, non, je m'en plus. Je pense qu'on va passer. Premier coup passe, ça va, on a mal. Voilà. On a attendu longtemps. Ça, on y a fait. Il y a juste ces deux-là là, qui sont chiants, en fait. Ouais. Mais. Passé. Vu que t'as réussi à allumer le troisième qui était en dessous, je pense que c'était. Attends, comment t'as terminé ? Celui-là, ouais. Oui, mais du coup, en fait, on sait l'amener là. Et après, il suffit de faire comme t'as fait pour les trois premiers, en fait. Là. Voilà. Là, tu retournes, et voilà. C'est... Redescends. Fais pas de conneries. Non. Maintenant, faut que tu le laisses de la droite. Voilà. Ah ouais. Ouais, ok. C'est super ce genre de bouclage là. Un par un. Redescends. Putain. De rien, on va finir par y arriver. Tac, donc là il y a celui-là, il est bon. L'autre en bas, il va être bon aussi. Donc là, il faut que ça redescende là. Là. Oh ok, Dieu. Non, reviens. Reviens. Attends, je vais le laisser refaire celui-là. Mm. Ouais, je pense qu'on arrive de là. Ouais, en haut. Je vais laisser refaire celui-là. Après, le bâton qui est faut en le basculer bas, là, tu le fais monter là, c'est bon. Tu aurais pu le basculer vers le bas si tu voulais que ça fasse une boucle plus petite. Non. Ah, je sais plus. Ouais, c'est pas grave, c'est ah, ça je y est. Je te laisse faire. Ouais, voilà, t'es bien. Ok, c'est bon. Et là, il faut que je le fasse monter. Easy. Comme ça. Yes! Et c'est la win! Franchement, bravo. Magnifique! Putain! Comme quoi, il faut aller juste prendre un peu de temps. Ouais, on a failli passer en plus, putain! Ouais. Il a fait pas passer. Ah, c'était pour. On joue pas tout seul parce que. Alors, moi, j'aurais passé. Ça nous a débloqué l'ascenseur pour monter dans le vaisseau. Oh, ça va, on y est quoi! C'est clair! Bah, on va y aller. Ça va pas trop chaud là. Ah! C'est plus propre que dans l'autre. Ouais. Enfin, bah, du coup, techniquement, c'est le même. Hein, c'est le même, oui, c'est le même. Ouais. Il est juste un peu avant. Clé à molette. Et là, on s'enlève les outils qui auraient pu nous servir plus tard. MDR. Ouais. C'est un nettoyeur automatique. Qui est resté coincé. Ouais. En Égypte, on a utilisé une roue à la place d'une chenille. On peut faire le contraire ici. Ah oui, la chenille ouais. Pour le truc d'or. Là. D'accord. Ouais, c'est pas faux. Comment retirer la chenille du robot nettoyeur ? C'est un robot nettoyeur, ça. Il a bugué, il est sorti. Ah, puis Patrick. Voilà. Heureusement que ça marche avec des boulons. Ouais. Ça, c'est quoi, ça ? Ça ressemble à une genre de capsule lunaire, un truc comme ça. Cliquez sur les lettres dans le bon ordre. La première lettre est celle qui est reliée à une ligne. Hein ? Il y a des lignes partout. Ouais, je commence pas. Seulement à une seule ligne, peut-être. C'est quoi? Genre le P. Ouais. Genre le P ou le E, il est tout seul. Ouais, tu commences là. Tu fais ça. Alors, c'est quoi la phrase? Enfin, le mot. On va en faire mesure, vas-y. Non, il suffit pas de celui-là. P. Ouais. E. R. P. E. Il suffit de sur la ligne. T. Ah, c'était le P le premier? Ouais. Ah ouais, parce qu'il était seul en fait, ah ok. Mmh. Il y a le E tout seul aussi, mais les un mot commence par P, c'est quoi? Perpetuum. Du langage alien. Hein. Ah, j'ai un point. Perpetuum. Mmh. Mo. Be. Mobile. Perpetuum mobile, super. Avec deux U. Et ça marche. C'est clair. C'est bon. Et il manque le K. Ah. Oh. Il a paumé son casque quand t'as mort. Ok. Ah écoute, il y a déjà toute la combi, c'est déjà pas mal, ils nous ont pas divisé le truc en trois trucs. C'est clair. En mode genre, ah il nous faut la combinaison, le respirateur, les tuyaux, le casque. L'ordinateur, il faut une clé encore. C'est les seuls à avoir des ordinateurs à clé. Ouais, c'est peut-être le nouveau concept. Peut-être que dans le futur, ça sera ça. Ouais. Alors là, une chenille. Super. On va peut-être se transformer en papillon. C'est facile. Effectivement, c'était la blague de l'épisode. Voilà. Elle est là. C'est original ça. Ouais, c'est pas mal, c'est un style. Maintenant, on peut utiliser le chariot. Oui, bah fais-le. Ouais, c'est genre, c'est bravo, tu peux utiliser, mais on sait pas pourquoi, mais tu peux utiliser. Ça, on peut pas.
Alors il y avait d'autres trucs à faire en arrière. Ici, ah bah il y a le casque. Est-ce que je peux prendre... Ah oui non, il n'y avait pas la visière. Ouais, c'est vrai. On se met dans la grotte. Ouais. Ah ça, on y a fait ça? Ah, on y a pas fait je sais plus. Ah, c'est le succès. Ah. Donc là... Ah oui, c'est le fameux... C'est le fameux jeu, voilà, où il faut additionner. Okay. Enfin, du coup, 4096, ouais. Combiner les cubes similaires jusqu'à ce qu'il en reste un, 4096. Il faut tous les additionner. Il faut faire en 45 couches, je crois. Alors ça, je suis très très nul. J'avais une amie qui est très forte, mais... Ouais. Ça, je vais pas l'appeler pour ça, tu sais. Allô Ouais, tu peux rejoindre un Discord juste comme ça. On va faire 4, 4. Après, tu prends un 8 plus un 8. Tu peux les relier où tu veux ou il faut qu'ils soient côte à côte? Non, où tu veux, je crois. Ça se met par-dessus, en fait. En haut de la ligne 2 et 3. Ouais. Donc ça te fait un 256. Ah oui, d'accord, ça relie ceux du dessus. Puis après, il faut trouver un autre 256 et... Ah, et du coup, faut que tu choisisses aussi lequel tu enlèves, par exemple, des 2-4 du haut. Ouais. Savoir lequel nombre t'auras besoin après. Je crois qu'on peut le déplacer... Non, on peut pas, d'accord. Ah non, faut que ça soit plus petit, ça en fait. Vraiment. Faut qu'il soit sur un gros, en fait. Ouais. Non, on peut pas, ok. Donc il y a 4 et 4. Ça t'a pas compté, c'est gentil. Voilà. Et là, on est niqué. Enfin, on peut déplacer le 8, là. Ah oui, tu peux déplacer quand même. J'ai 16. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais, je sais pas. On n'aura pas le succès. Non. Enfin, on peut recommencer ou pas? Parce que... Ouais. Parce que par exemple, sur le 32, t'en avais un qui était plus accessible. Quoi. Ah, ça recommence. Ok. Les 228, c'est sûr qu'ils vont ensemble. Ouais. Mais enlève celui du milieu. Ça t'as 232 qui sont accessibles. Ah ouais, ok. Ça va, s'il faut que je traite juste ceux du dessus, ça va. Il y a 264. Ouais, attends, avant de faire un mélange, faut toujours que tu dises lequel t'envoies en l'air. Ouais. Bah là il y a 8. Parce qu'on fait 4. Non, 4 et 4, c'est 16. Hein. Ouais. Bah moi, j'ai enlevé celui du milieu, parce que comme ça, le 4, tu prends le 4 de gauche. Ah, tu verras. Ouais. Bah après, c'est peut-être pas le meilleur moment. Hein. Mais, J'adore. Bah, t'as deux, tu peux dans le bruit. Mais lequel t'enlèves? Ouais. T'enlèves celui de droite. Oui. Je fais celui-là et celui-là. Moi j'aurais mis celui de droite sur celui de gauche. Celui-là ça fait 16, puis après tu peux bouger 128 pour faire 8, 8, 16, plus 16. Bon, vas-y, ok. Je fais ça. Ça va être trop chiant si on commence à réfléchir à 2 sur ça, je pense. 128. Moi j'aurais décalé de l'autre côté parce que quand ça t'avait le 16 accessible, tu vois. Ah oui, merde. Je peux le remettre non, là. Non, mais de toute façon, tout a l'air relou en fait à déplacer. Ouais. Donc, 16. Ouais, je vais essayer de le faire. Et puis, ouais, c'est vrai qu'ils soient généreux sur le nombre de coups qu'ils avaient espéré pour le succès. Ah, ça me fait un 64, ça. Non, ça fait 32. Hein, ouais. Ouais, sauf multiplication exceptionnelle. Après, tu peux toujours décaler le 128 et le 256 d'une case pour libérer le 64 qui est en dessous. Ouais. Je mets 128. Ou libérer. Non. Ouais, non, t'avais au milieu, t'avais un 64 aussi accessible. Ah oui, ouais. Bah, je peux le libérer encore. Oui. Bon, on s'en fout, je pense pour là nous, nous on l'aura pas. Mais ouais. Le 32 tu le dégages autre part. Là il y a 8-8. Je prends celui-là. Ouais. Tac. J'ai oublié que ça là, fait. Tu prends celui qui est à droite. À droite, ouais. Donc ça tu libères le 256 que tu pourras utiliser. Ouais, alors là je prends lequel. J'ai encore un 4, c'est con ça. Ouais, bonne question. Hein. Moi j'aurais pris le 256 de tout à droite quand ça t'as le 16 qui est libéré. Ouais. Que tu peux utiliser directement. Et d'ailleurs, il y aura un 32 sur un 32 du coup. Qui vont se faire tout seul si tu le fais bien. Ah oui, ouais. Moi je prends celui-là. Ah, moi j'aurais pris l'autre. Parce que ça, le 32 apparaissait sur le 32. Ah oui. Ça revient. Ça mise à bout. Je prends celui-là pour avoir le 4 pour mettre là, je pense. Ouais. Ok, on va faire comme ça. Là y'a rien, yes. Y'a rien, tu vas tranquillou. Y'a un 8 là. Ouais, mais viens le 64 de droite peut-être. Ouais. Ça tu mets au milieu. Ça tu libères ton 8 mais avec le 512. Avec ce 512, ouais. Bon. 8-8. Par contre le prochain 2 tu l'as coincé. Hein. Oui, et en dessous.
compliqué là. Et un 16. Ouais, là, ils commencent à être loin là. Ouais. Je vais peut-être enlever pour avoir 64. Ouais. Ouais. Mais il faut faire enlever tactique entre guillemets si tu veux. Enfin, pas pour les premiers. Hein. Mm. Mais pour les gros nombres qui sont chiants. Ouais, ça va être chiant. Le 16, je le mets où? Bon, je te laisse gérer de toute façon. On va être là. ouais. Quand à 128, 16, 32. Putain, les 16 ils sont en dessous, putain. Ouais, là, tous les petits chiffres sont en dessous, on est un peu niqué sur ça. C'était combien de moves déjà? C'était 45. Alors, ouais, je pense qu'on n'aura pas. Il y a le 2 qui est là. Généreux. En fait, je peux refaire une pile là avec ceux-là. Hein. Oui, c'est ça, tu refais une pile avec ceux qui t'embêtent. Ouais. Enfin, ouais. Avec ceux qui t'embêtent. Mmh. Le 16 ou le 32, le 128, tu pourras l'utiliser. Dès que le 128, tu vas utiliser celui de droite. Ça, le 16, tu pourras le réutiliser. Quoique, du coup, non, faut que tu mettes le 16, mais le 32, tu vas pas le mettre au-dessus du 16. Tu vas mettre au-dessus du 2. 32. Mets le 16 au milieu. Ouais. Tu mets le 32 sur le 2. Je peux pas. Faut que ça soit de sur le 256 alors. Ouais. Le 128, tu dégages celui de droite. Ouais. Ouais, j'aurais dit l'autre droite, mais ça va. Parce que là, je suis à 256. Bah, du coup, faut virer le 32. Ouais. Le 32, tu le remets sur 512 à la limite. Ouais. On va faire beaucoup trop de moves, hein, c'est pas grave. Donc là, je fais celui-là. Je peux peut-être. Ouais, je vais dégager celui-là. Ouais, parce qu'il faut que tu libères le 16 pour la case du milieu. Ok. Et en plus, ce qui est cool, c'est que ça va libérer le 1024 que t'auras besoin en dessous de 512. Donc là, je prends le 16, ouais. Ouais. Le 32. 32. Cool. Ouais. Vers le milieu, parfait. 60, le 512, 512 tout à droite. Tout à gauche. Putain, mais moi je. À gauche. Moi je mélange. Ouf. Oh, nice. Et là, ça se fusionne bien en plus. 2048, donc celui-là, faut le garder pour la fin. Ah, faut que tu vides le 128, ouais. Ouais, ici, on prend le 2 avec l'autre. J'ai un 4. Le 8, on le dégage là. Moi j'aurais. Ouais, vas-y. Prends un 4. J'aurais pas fait ça parce que tous tes 8 sont sur une colonne en fait. Ah ouais. Mais c'est pas grave. Ouais, tu vas en créer un là avec le 4. Ouais. Donc je prends celui-là. Ouais. Un 16, ils sont en dessous. Ah, il y a celui-là. Bon, celui-là, je peux le mettre là-dessus. Non, faut que tu dégages ton 128 et ton 1024, ce qui te gêne. Pour l'instant. Donc tu les mets tout à droite à la limite. Pour l'instant, je pense. Je peux le dégager celui-là. Parce que. Ah, il faut que tu le mettes sur quoi du coup lui déjà? Sur un. Si, sur si le gêne, tu le remets où il est, ouais. Pour l'instant. Tu prends ton 64 du milieu. Que tu mets tout à droite. À droite, ouais. Ah oui, puis je le mets là. Et du coup, ouais, ça te libère la place. Ok. Le 8 il est du mot milieu pour l'instant. Ouais. Je prends le 32. Ouais, là dans l'ordre que tu veux, de toute façon, parce que les 2-8 et les 2-16, tu vas les fusionner après. Donc, je peux prendre le 64. Qui va fusionner avec le 124. Le 128. Ouais. 8 et 8. Ouais. Ce qui fait 16. On fait tous les 16. Ouais, c'est parfait, parfait. Ça va te faire des 64. Ça va te faire 1, 64. 32, 1, 64. Là, on est entre guillemets que à 47. Ouais. Donc, je pense qu'il était un peu permissif, mais bon. Ouais. Alors, les 2, 64. 128, ouais, c'était comme le jeu de téléphone, mais un peu plus chiant à faire. Parce que ça marche par colonne, mais. Ouais. Et 4096. C'est intelligent comme façon de faire. Ouais, c'est ça. Alors, il réinvente le 2046. 53. 48. C'est pas mal. Ouais, c'était pas mal en vrai. Nice. Il y a un ou deux moves qu'on aurait pu optimiser, je pense. En vrai, ce truc-là, il m'a fait peur au début quand je voulais le faire. En fait, ça va tellement. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Ok. Faut juste réfléchir des moves à l'avance en se disant attends, si je fusionne là, ouais, je fusionne tout sur le premier ou le deuxième. Enfin, ouais. On a la clé d'ordinateur. Il y avait un truc à faire derrière, là. Il y a quoi à faire là? Ah, ça! Ah oui, on a pas le. Ouais. Okay. Il y avait une scène aussi sur le côté. Ah oui, une scène. Ah, une scène. Ah. Ouais, c'est fort. La scène de l'épisode, tu vois, genre, chaque épisode, il y a une blague de mauvais goût, et une anecdote, peut-être, ça c'est en bonus, et une scène. Une scène, et plein de mini-jeux. Et plein de mini-jeux, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, faut trouver des crânes. Alors, t'as un crâne qui est au milieu, tout en haut, un peu à droite.
Et celui-là, là. Ouais. Le crâne de chèvre. De bouc. De bouc. J'aurais dit, mais... où est-il? Alors, soit c'est trop évident. Ouais. On le voit pas. Pourtant, c'est des petits trucs... Ouais, ils ont, pas, ils ont pas changé. Ah ouais, ouais parfait. Putain. J'ai trouvé en même temps, toi. Quand t'as dit là, mes yeux se sont arrêtés dessus. Limite, en fait, tu bluffes, la prochaine fois, tu fais « Ah, elle est là !» Et au moment où tu le dis, je fais « Ah ouais !» Et en fait, tu l'auras pas trouvé. C'était juste pour que je fasse. Je fais « Ah là !» puis j'attends qu'il trouve. Ouais, c'est ça. C'est bon, t'as trouvé. table de jeu. Ah. Je me demande si c'est... Quoi, si c'est soit ce qui est à gauche, soit ce qui est à droite, au-dessus du décor. Ah oui, ça. T'en as un avec des couleurs, et de l'autre côté, t'as un truc avec des chiffres. Ah, putain, je me disais, j'ai pris un truc, ça a rien barré. En fait, c'est à l'assiette. Il y en a trois. Ah, oh, c'est juste au-dessus de ton indice bleu. Ouais. Peigne, jupe. Ils avaient des peignes à l'époque. Jupe aussi. Ah oui, ça, la jupe. Du coup, je pense que c'est des trucs préhistoriques, donc peut-être que c'est ce que... Tu vois le hérisson en haut, voilà, le peigne, ah, c'était ça. C'était le peigne, ouais. J'ai vu une fourchette aussi, je sais pas si ça... Oui, il y a une... non, il y a une fourche. Fourche. Dommage. C'était ouais. Là, la fourche. La fourchette. Alors, il faut des dents. Il faut des dents. Avec des dents de fourche. Ouais. Bah après, t'as le steak aussi que tu peux mettre sur le feu. Ah oui. On va bouffer un peu. Allez. Attends, j'ai joué à Monster Hunter il y a pas longtemps. Donc ça fait... c'est vraiment dans le jeu, ça en plus. Fougère, ah ouais. Ouais, c'est ça. Femme. Où ça? Où ça? Ok, où ça? Je veux voir. Où ça? Ah, sur les dessins, bah, peut-être. Ouais, je pense, mais vu qu'elle est en jaune, faut faire quelque chose. Ah. Comme si je vois pas de peinture pour modifier un homme en forme. Il y avait un truc là. Ah, figurine pas complète. Ah, ok, c'est ça, c'est la femme. Ouais. Avec le petit couteau là, ah, voilà. Alors, faisons une femme. Artiste. C'est une femme, quel ça artiste du paléolithique tu fais. C'est une femme, ça. Ah oui, mais c'est les statues de la fertilité que tu retrouves dans les musées et tout ça. Ok, je croyais que c'était un bonhomme Michelin, je sais pas. Ah ouais, c'est un peu ça, la fertilité à l'époque. Hein. Fallait pas trop attendre. Toilette. Ah. Ah oui, ça non. Ah oui, enfin. Même à l'époque. Toilette. Assiette, c'est juste au-dessus du hérisson. Non, juste au-dessus. Et les dents. Les dents de la fourche. Alors, je sais pas si c'est ça. Mais. Ah. Un peu, voilà. Juste en dessous des champignons. Ah d'accord, c'est. Ouais. Okay. Y a un peu plus que un seul pic, mais bon. Voilà, et on a. Partie de hache. Faut la donner en entier. Non, parce qu'il faut falloir qu'on la fabrique sur la. Ah oui, sur le bateau. Sur le bateau qui fume. Je sais pas pourquoi il fume en plus. Il est en feu. C'est pas logique, déjà. Ouais. T'as de la paille. Hache, ok. Alors, par contre, à quoi vous servez la hache, je ne sais pas. Je sais pas. Le tigre, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Alors, est-ce qu'il y a un... On a une clé. Ah oui, la clé. Pour l'ordi, non. Ouais. Alors. Clac. Oh là là, je crains le pire. Un nouveau mini-jeu. Ouais, c'est clair. Pas trop chiant. Ah non, c'est faute d'image. Les jeux de piratage. Ouais, ça va. Jeu de piratage. Nous avons envoyé un gros vaisseau d'exploration à la recherche d'autres planètes. C'est un vol en aller simple, il n'y a pas assez de carburant pour voyage retour. C'est intelligent ça. Ah, c'est triste en vrai pour l'équipage. Bon, en vrai, les gens sont déterminés quand on fait ça. Imagine si là on dit, bah là on peut vous envoyer dans l'espace sur une planète vivable, peut-être. Ouais. Mais vous ne reviendrez jamais. Et là, ils seront en mode genre bombe, ok, lol, ouais. C'est trop bien. Sans équipement, nous devons revenir sur Taurion en utilisant l'hyperportail installé dans le vaisseau mère. Ah, c'est le truc, la capsule là. Hyper la capsule qu'ils nous ont volé parce que ça a l'air d'être quand même assez humain comme capsule. Hein. Mmh, oui, c'est vrai. Sans pouvoir dénoncer. Hein. L'hyper capsule. Hyper portail. Hyper portail, hyper capsule. Hyper planète. Peut-être. C'est pareil. En fait, c'est pas un vaisseau, c'est un hyper vaisseau. Il va dans l'hyper il va dans l'hyper-espace. L'hyper-espace, ouais. En fait, c'est pas des mini-jeux qu'on fait, c'est des hyper mini-jeux. Tu vois, qu'on avait. Avec des hyper scènes. C'est ça. Trop fort. C'est un hyper puzzle. Ah ouais, c'est ça le vaisseau mère. Putain. Et Mastak, hein. Ouais. Ça me rappelle Warhammer 40 000 si tu connais un petit peu. Non.
Et les Zeldars, ils ont des vaisseaux. Genre, c'est des vaisseaux à la taille d'un monde entier, tu vois, genre, c'est trop la classe. Putain. Ils avaient envoyé des groupes de recherche mobile pour explorer les galaxies les plus proches du vaisseau, ils n'ont pas tous réussi à revenir. Notre groupe a trouvé une jeune planète bleue, pourrie, polluée, de merde. Avec 2-3 êtres vivants, voilà, pleins de conscience. Un peu con. Le vaisseau a été endommagé durant l'atterrissage. C'est con parce qu'ils ont dû voyager des centaines de milliers d'années, lumière. Ouais. Et puis juste un pauvre atterrissage, eux ça les tue quoi. Ça leur bousille leur vaisseau. Peu de la merde, le reste. Ils étaient pas trop faits pour l'hyperespace, leur truc, hein. Enfin, pas trop faits pour les atterrissages. Ouais, c'est clair. Je sais pas, c'est un truc d'exploration, il est censé, entre guillemets, être prévu pour justement pouvoir sans doute atterrir plusieurs fois parce que tu trouves jamais les trucs du premier coup. Quoi. Ouais, c'est clair. Mais non. Pas très. Ah. Là, si tu regardes, il est enflammé alors qu'il est encore loin. Hein. Ouais. En fait, ils disent ouais, c'est l'atterrissage. En fait, c'est eux qui se sont foirés. Ouais, voilà, ils ont navigué, ils savaient pas naviguer. Ils se sont pris un météore. T'as pas le droit de fumer, il avait tombé sa cigarette sans faire exprès. Et tout a cramé, tu vois. Alors, ils ont mal navigué, ils se sont pris un météore. Voilà. C'est ça. Puis là, ils sont pas genre, ah, il y a pas de météore. Ils se sont écrasés, c'est à cause de leur planète. Nous explorons cette planète. Nous utilisons notre capsule de sauvetage. Ah, c'est ça la capsule. C'était pour s'éjecter. En mode automatique, elle trouvera seule le chemin vers le vaisseau mère. Ah, voilà. Sympa. Ils ont pas utilisé. Et donc tu vas me faire croire que la petite capsule elle est capable de se frayer, de se faire des années de lumière en retour juste pour toute trouver. Toute seule. Enfin, c'est toi qui crèves dedans, hein, parce que si leur vaisseau eux-mêmes, tu te dis c'est un voyage sans retour, la capsule elle. Je sais pas comment elle fait. Ouais. Elle marche à énergie renouvelable alors que leur vaisseau non. Je sais pas. Ah oui, c'est ça, c'est une petite. Waouh. C'est beau. Oh, ça va, comme mini-jeu, c'est quand même plus facile que lui d'avoir. Oui, c'est clair. Ah ouais, c'est une petite capsule. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, en fait, on va prendre... Ils ont mis les effets de flou et tout, ils se sont fait chier. Ouais. En fait, on va prendre ça... Les points sont dégueulasses, hein. Ouais, on va peut-être prendre ça pour s'éjecter, puis se barrer. Ouais, enfin, après, on oublie notre but premier qui est rentrer chez nous, tu vois. Oui, c'est clair. À la base, on vient chercher une pierre bleue. Hein. Mmh, c'est clair. C'est ça, comme ça. Pour une raison inconnue, les extraterrestres étaient à la recherche d'autres planètes. Ils étaient peut-être chercheurs ou scientifiques, ouais. Après l'accident, ils allaient utiliser... Mais laisse-moi lire, bordel. Mais laisse-moi lire. Ah, il y a le truc. On va mettre pause sur le montage. Oh là là, non. Putain, il va bugger encore. Oh, fais chier. Au revoir. Voilà. Donc c'est bugué, faut que je relance. Putain. Et du coup, là, ça a niqué tout ce qu'on a fait, ou... Non. Heureusement. Okay. Putain. J'ai peur. Vous avez un écran noir, c'est normal. Hein. C'est déjà arrivé. Moi aussi j'ai un écran noir. Oui, c'est normal. C'est normal aussi. Enfin, j'ai pas un écran noir, j'ai mon écran à moi qui est revenu, tu vois. Ah là là. On va s'arrêter dans pas longtemps de toute façon. C'est marrant quand même. C'est le jeu qui dit stop, j'en ai marre. ça c'est la preuve que genre le jeu il était. Enfin, je sais pas. Après, je sais pas quoi. Si vraiment c'est vrai, hein, mais si le jeu a été fait par une petite équipe quoi. Oui. Je pense que oui. Enfin, comme tous les jeux d'objets cachés. Comme tous les jeux d'objets cachés, bah, c'est clair. J'aimerais bien avoir un jour le genre de triple A des jeux d'objets cachés, tu sais. Ouais, il est là. Il est revenu. C'est bon. Il y avait pas d'autres trucs, non? Non. J'espère pas. Je crois pas. Il y avait dans le journal. Un grand vaisseau d'exploration a été lancé depuis la planète Taurion à la recherche d'autres planètes. Son retour sur Taurion devait se faire par un hyperportail. Un groupe a atterri ici et n'a pas pu repartir sur le vaisseau mère. Comme ça qu'ils sont apparus, ils ont tenté de repartir sur le vaisseau mère en utilisant la capsule de sauvetage qui est là. Et puis quelqu'un a volé la capsule et les extraterrestres ont dû rester sur Terre. Il faudrait fouiller la capsule. Ils l'ont volée ? Non, si elle était volée, pourquoi elle est là ? Pourquoi elle est là ? Ils savaient pas comment ça marchait, ils l'ont ramenée. En sachant que... Et même, ils sont où en fait ? Parce que techniquement, ils sont encore là. Oui, c'est vrai, ouais. Ils étaient là en Égypte, mais en Égypte, ils avaient plus de courant. Mais là, ils viennent d'arriver techniquement. Ouais, c'est enfin, à quelques années près. Peut-être qu'en fait c'est eux, ils ont fusionné avec les volatiles dégueulasses là. Dans ce cas-là, ils auraient pas pu faire les pyramides. Ouais. Bah, ce qu'on a vu en Égypte, c'était les extraterrestres, ils avaient la tête d'Anubis et de machin. Donc, ça doit être ça ou quoi ouais, ils sont. C'est vrai. Mais oui, ils sont. Mais c'était les mêmes du coup, normalement. Oui, je pense que c'était les mêmes. Bref, moi je. On verra. Je laisse le scénario avancer sans nous. C'est clair. Et je regarde de temps en temps quoi. Voici l'emblème. Si c'est un mini-jeu, j'arrête. On arrête, ok, c'est bon. C'est vrai Ça a l'air d'être un truc super facile à faire en plus, regarde. Faites entrer la balle dans le trou. Quelle balle. Franchement, on a déjà fait ça. Non, c'est trop long.
Ça va être trop long, mais c'est ouais. Easy, on le fera. Oui. On le fera. On le fera très rapidement la prochaine fois. C'est peut-être. On fera one shot, on arrivera. Enfin, bonjour, allez, tout, c'est bon. C'est bon. c'est le succès ou pas? Ah, c'est con, hein, le jeu qui a bugué, genre une seconde avant qu'on doit s'arrêter, quoi. C'est clair, ouais. Bon, bah voilà, épisode bien rempli, je pense. Ouais, c'était pas mal là, je pense. On a fait des petits mini-jeux sympas. Chargeur d'émotions, quoi. C'est clair. Vous avez des anecdotes, vous avez des mini-jeux chiants. Une blague. Il n'y a pas eu trop d'anecdotes. Non, c'est dommage. Voilà. Bah, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser les likes, les commentaires, à partager comme d'habitude. On se retrouve la prochaine fois pour faire rapidement ce mini-jeu. Et peut-être du coup quitter le paléolithique. Quitter la préhistoire, je pense. Ça va être possible. Donc voilà, à la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao. Salut.